Eh, on est pas bien là? Putain, j'avais oublié comment régler la caméra carrément. 6 mois que je suis parti. Bon, alors attends, je vais refoutre ça un peu plus haut là. Tac, tac, est-ce que je suis bien là? Bien dans ma chaise, bien dans mon truc, je vais replier le retour. Bon, je sais pas trop par quoi commencer. Pourquoi est-ce que j'étais pas là depuis. Bon, on va commencer par ça. Pourquoi est-ce que j'étais pas là depuis 6 mois? Bah c'est pas compliqué parce que depuis 6 mois il n'y a rien qui sort en fait, hein. C'est pas dur, en tout cas rien qui me plaît. Et là pour les mois à venir, et eh ben ça me paraît très pauvre aussi, hein. C'est pas pour faire le mec pessimiste ou quoi, mais au niveau de chez Nike, en ce moment on est un peu amaigri. Tu vois. En fait je pense qu'on a été inondé par les grosses sorties des dernières années, ce qui a fait que cette année, on s'est vraiment retrouvé avec un truc. Ouais, c'était pauvre de ouf, quoi. Bon, après, il y avait des trucs pour les Yankees, tu vois, mais pour vraiment, genre les mecs qui veulent des trucs simples, basiques, juste de la Air Max One, de la 90, du modèle efficace, de la Jordan 1, si, il y en a eu un peu, il y a eu la Lakers, mais moi, j'aime pas les trucs que tu dois gratter, là. On n'est pas. En mode ta perte, c'est un banco, tu vois, c'est chiant, tu vois. Genre donne-moi un coloris direct, au pire sors-en deux, tu vois, mais je sais pas, surprends-moi, mais tu sors pas ça. Ouais, et puis je sais pas, je devais être dans une espèce de dépression de la basket, je sais pas, j'ai rien trouvé qui me transcendait, tu vois, genre j'étais là, ça sortait, pff. Des fois j'achetais pour revendre, je disais ouais, bon au pire j'ai pas eu, c'est pas grave, tu vois. Ouais, alors soit je deviens grand et du coup je faiblis, soit je sais pas, mais ouais, il se passe un truc. Du coup, bah, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté quand même sur les derniers mois parce que je pense que j'estime en tout cas que ça vaut le détour. Bref, revenons à nos moutons. Le seul problème en fait, c'est que j'ai oublié ce que j'avais dans la dernière vidéo. Donc, je crois que la vidéo où j'ai montré à peu près tout ce que j'avais acheté, c'était au moment du 1er janvier. Là, on est le 2 octobre, 3 octobre. Ouais, 3 octobre. Je vais check la date. Ouais, on est le 3 octobre. Putain, c'est mon anniversaire dans 2 jours. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de me souhaiter mon anniversaire. Bon, alors qu'est-ce que j'ai bien pu acheter cette année? Alors déjà, il y a ça. Celle-là, c'est sûr, je l'ai acheté, je l'avais pas montré en vidéo. C'est la LeBron 7. Dunkman. Donc ça c'est vraiment genre, alors déjà la LeBron 7 je crois c'est la LeBron préférée de LeBron, mais en plus hein, c'est vraiment genre c'est le, je sais pas en fait, genre c'est le colorway qui définit, c'est un peu genre comme Bred chez Jordan. Bah ouais, ça c'est Bred, hein. Oula, fans de Jordan qui vont tomber dessus. En gros genre ouais, Dunkman je sais pas, genre c'est le colorway qu'on attend tous les ans sur toutes les paires. Et je crois qu'on n'en a pas eu depuis la 8. Parce que je crois, si sur la 10. Peut-être qu'il y en a eu un sur la 10, mais ça devait être un sample. J'ai oublié. J'ai oublié honnêtement. Je m'en rappelle pas. J'ai absolument pas préparé ma vidéo, donc je risque de lâcher un tas de conneries. Mais ça, c'est ouais, ça, c'est vraiment genre le coloris qu'on attend du coup sur la 17. Je crois qu'il est en préparation et il est vraiment ouf, ouf, ouf. Je sais pas. Trop lourd. Et c'est vraiment ouais, genre le coloris de LeBron, pardon, par excellence. Et c'est vraiment genre ouais, pour moi une des plus belles LeBron qui a été sortie avec la 10. Du coup, bah, qui sont mes deux préférés. Voilà. Après, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que j'ai bien pu acheter depuis? Ah, il y a ça. Hop. Bah comme vous allez le voir, il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a rien qui est de 2019. Il y en a peut-être une qui est sortie en 2019 et je l'ai déjà montré en vidéo, mais je la remontrerai quand même. Il y a la Dab B-Ball, mais elle est là-bas derrière, elle est rangée dans sa boîte. Je vais vraiment pas la ressortir, j'ai trop la flemme. Là, ça c'est la LeBron 11 BHM. Du coup, qui suit le programme BHM. Comme tous les ans, donc le Black History Month, ce qui se passe en. C'est en février, je crois, si je ne dis point d'ânerie.
Et enfin, vraiment super belle. Après, pour c'est un 42,5, je crois. Ouais, c'est un 9 US. Et en fait, genre celle-là, sur toutes les pompes de basket que j'achète en temps normal, c'est. Je prends 9 US parce que sinon je suis trop serré en fait au niveau du pied, parce que c'est vraiment des pompes performance quand même. Et sur celle-là, j'aurais dû prendre 8,5 parce qu'en fait ça me fait des panards de jacouille. Ça fait une espèce d'effet d'optique, genre ça remonte comme ça, c'est pas très beau. Mais ça, on s'adapte, hein. On s'y fait à mesure du temps. Là, ça je l'avais déjà montré, ok. Du coup, ici, là. Non, ça je l'avais déjà montré. Donc c'est celle qui est là. Celle-là, la boîte a souffert, elle est tombée pendant la nuit. J'ai eu très peur. Donc LeBron 7, LeBron 7, LeBron 16, pardon, Super Bron. C'est sorti au moment du. Que je dise pas de conneries, au moment de Noël, je crois. Mais elle avait redrop un peu plus tard. Elle a fini en promo et tout. Donc je pense que je pouvais encore la trouver dans les endroits un peu bresson d'Europe. Je l'ai acheté quand? Je l'ai acheté le 18 janvier. Donc voilà, vous pouvez la trouver dans des endroits un peu. Dans des shops. Je pense en. Julien Gims, le meilleur graphiste de tous les temps, m'a dit qu'il l'avait vu en facto. Qu'il l'avait vu en facto chez lui en Belgique. Donc du coup, je pense que c'est trouvable en facto. Mais par contre, lui, il m'avait dit que je crois que c'était du 48 qu'il avait vu en facto. J'ai acheté ça aussi cette année. Alors attends, je vais essayer juste de sortir Thomas. Donc LeBron 10. Celle-là, c'était All-Star Game. Et c'est le All-Star Game de je ne sais plus quelle année. Mais ça remonte. Bah, de toute façon, c'est le même All-Star Game que les années de LeBron. C'est Miami, c'est 2012. Donc voilà, donc je l'ai mis une fois à la paire pour l'essayer. Les DS, je l'ai reçu. Je l'ai reçu DS. Incroyable. Le niveau de détail, le niveau de. Là en fait, là c'est des petits. Là tous les petits craquements, là en fait, on dirait qu'ils sont collés à la main. Enfin, je sais pas, c'est trop chelou. Mais la paire est ouf. Le pack. Je crois qu'il y avait un pack, genre LeBron. Bah, de toute façon, tous les mecs étaient All-Star Game. Donc LeBron, sûr. Kobe. Sûr. KD, je pense. Qu'est-ce que j'ai bien pu acheter d'autre? Ah mais si, je suis con. Oh lui, le chien qui aboie. Déjà, il y a ça. C'est la bonne. Hop. Dunklo Paris, 200 exemplaires monde. Bah du coup, j'en ai pété une. Je l'ai pété au retail. Parce qu'en gros, genre. Le type l'achète et il dit ouais, je vais la recell lol. Sauf que ça a rien coté du tout. J'ai aucune idée de pourquoi ça a bidé comme ça. Après, ça rend des perles. Genre, enfin, celle-là, elle est pas évidente quoi. voilà, c'est ouais, c'est pas évident tous les jours quoi. Mais enfin, même l'autre a bidé de ouf. L'autre que j'ai en double. Voilà, 8,5 US, hein, si quelqu'un la veut, la marron, la jolie. J'ai aussi acheté autre chose, faut que je trouve. C'est vraiment les pires transitions, le mec a rien préparé. LeBron 10 de Nîmes, donc du coup maintenant j'ai les 4. J'ai les 4, c'est-à-dire la de Nîmes, la Cork, la Black Green, je sais plus trop comment ça s'appelle celle-là. Et évidemment la. La putain, la Hazelnut. Si vous voulez, ça vous intéresse, je ferai une vidéo sur les 4 paires pour vous expliquer le programme. C'est un programme un peu lifestyle, etc. Si ça vous intéresse, bah dites-moi en commentaire. Voilà. Donc j'ai fini enfin ce pack que j'ai commencé il y a plus de 3 ans, je crois, si je dis pas de conneries. J'aurais pu finir bien avant, mais les prix, tout simplement les tarots, c'était trop cher. Celle-là, je l'ai touché à 80 balles, je crois. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de ouf. Genre. En plus, genre, le mec qui me l'a envoyé m'a lâché un petit mot, genre, ouais, tout machin.
En gros, on a discuté un peu, genre le mec il a vu vraiment, genre. Bah, je lui ai dit, ouais, fin, moi c'est pour compléter mon pack et tout, du coup il m'a dit, bah c'est lourd. Juste, fait un prix léger. Du coup, voilà. Bah, le Brandis de Nîmes, incroyable. Incroyable paire en jeans. Puis bah, je crois que c'est tout, je crois que j'ai fait le tour. Parce que quand je vous dis que j'ai pas acheté grand chose. Parce que je pourrais acheter des trucs et me dire ouais vas-y là faut que je consomme, là faut que j'achète ci, faut que j'achète ça, faut que je sorte une vidéo. Mais étant donné que j'ai la flemme et que je suis un connard, bah je sors rien quoi. Et j'achète rien surtout parce que j'ai pas envie de dépenser pour dépenser. À une époque je le faisais et la preuve genre j'ai tout revendu. Et maintenant je garde vraiment. Mais alors attends, je vais tourner la cams. Et comme vous pouvez le voir, je garde vraiment mais que mes mains, c'est-à-dire. Genre là t'as toutes mes Air Max. Là t'as du coup mes deux Dunk Paris. Deux Jordan 10 Steel Grey et Purple je sais plus quoi de 2005. C'est trop marrant avec mon bras comme ça on se croit dans vue FPS. Là t'es en Jordan 4 Levi's. Là du coup t'as mes Dunkman. Là t'as mes deux LeBron 16. À droite c'est la King. Au-dessus, là, c'est LeBron 10 classique. Et là, du coup, t'as mes 4 LeBron. Là, t'as ma All-Star. Et là, t'as la boîte de la 7. Voilà. Après, là-bas derrière, j'ai les. Merde. J'ai les. Comment ça s'appelle? Attends, je tire le retour. J'ai la. Comment ça s'appelle la. 10 BHM et 10 Carbone. C'est le. Du coup, bah, la 10 BHM, c'est celle. Que je cherche depuis à peu près le début de ma vie. Et la 10 carbone, bah, c'est tout simplement la paire que j'avais au Sneakers Event, pour ceux qui m'ont vu là-bas. Et voilà, c'est cool. Je crois qu'on a fait le tour. J'enchaîne tout de suite, j'ai une deuxième vidéo à faire. Je pense que celle-là sera un peu plus drôle, un peu plus marrante, rigolo drôle. En tout cas, j'espère. Et bah, c'est tout, bah, à plus, et à tout de suite surtout, pour la suite des événements.